ce fut bref avec la stache immobile, la corne de cerveau a lâché. Petite corne en cerveau plastique d'origine, on va passer sur le serpent donc avec le variateur à capteur et un petit peu de turbo dessus pour compenser. Faut diminuer les freins. Encore. Encore un peu. Là, c'est mieux. Allez, on va voir ça. Je vais me mettre par là. On est bien avec la météo, hein. Par contre, les autres, ils sont pas réveillés, hein. Il charge les batteries d'abord. Oh, ah, yeah. Tu l'aimes pas celui-là là-bas, hein? Ah, c'est parce que je suis devant, c'est ça? Ça marche, on les respecte les choses. Ouais. Aïe. Ouais, ouais. Celui-là vaut mieux le respecter, ouais, ça c'est le plot des plots. Ouais, c'est plus instable. Ah là, on est idéal avec le serpent, hein. Ça se passe super. Ah mais c'est moi, j'étais peut-être dans le champ de vision aussi. Quoi? Ce qui est trop fort à voir, c'est qu'il y avait un oiseau posé là-bas. J'ai fait demi-tour, mais à ça devant lui, je sais pas pousser. Hein, il a l'habitude, je crois, maintenant. Il sait où se mettre. Il a dû se dire, si je me mets devant les plots, je suis mort. Ça, c'est le pire endroit. Comme ils savent pas viser. Tiens, la vraie version. Moi j'ai la miniature, je suis un petit joueur. Ah là, on est bien avec le serpent, hein. J'ai entendu. Ah là, on est bien avec le serpent, ça. Tu vois, t'as le nez qui pique un peu, il tape de l'avant, comme ça le diff central il peut évacuer la patate à l'impact. Regarde.
On est juste bien. Parce que avec X-Max avant, on voit les trois plats. C'est les coups à répétition sur les quatre fers, hein. Ça la transmis, elle prend des baffes. Hein. Tu vois, au mieux de laisser tomber un peu. Ouais, on a réussi. Même à deux, pour une fois, on a réussi à se croiser. Moi, je l'ai un peu fait exprès. On était censé être une dizaine, hein. Les mecs, ils sont tous en train de dormir, ils ont pas dormi de la nuit. Ah mais il faisait dégueu cette nuit. Hein. Ouais non mais on veut rester comme ça mais je sais pas on se croise hein. On n'arrive pas à rester côte à côte. Attends tout à l'heure il va me donner la liste des pièces qu'il veut. Il dit ouais slash t'as cassé ça, ça. Ouais c'est quoi c'est ce que je pensais. Je me suis dit que tu dois déjà lui faire au Bismarck. Non mais... Ouais, ni vu ni cône, U. Ouais. Bon, j'ai arrivé, j'ai tapé l'autre. Putain, satané bestiole, la Kimniak. Quelle idée de mettre un t-shirt orange. Bon, ça va être, je vais quand même vite changer la radio après, hein. Enfin. Ouais, ouais, je vais enrouler le Super Bajaret et le Moyave et après je vais vite changer la radio. C'est trop con ce truc de programmation à la noix là. Eh ouais, regardez, on est dimanche et on se fait livrer les pièces de rechange. Donc voici Vroom Vroom Pignon. Votre pignon chez vous à 30 minutes. Salut Pichoun. Bonjour. Ça va, salut. Ça va. Attends, t'as bien fait d'emmener un ballon, ça c'est vrai. Au rythme au cas, ça va aussi finir par jouer au ballon. Dans 5 minutes, tous au foot. Ah là, on est, franchement avec celui-là, il est tip-top. Ouais. Mais là, ils se sont lancés dans toute une gamme de RTR nouveau, tu sais, parce qu'ils ont remarqué que la compète, ça pique du nez avec le virus. Hein. Et puis même, comme dit, il n'y a pas beau, il y a pas tellement de clubs. Non, puis dans les clubs, ils sont devenus trop difficiles. Là, des clubs super cool, et il y en a, ils sont vraiment, tu sais... Genre t'as pas la même marque que déjà t'es malvenu, tu sais. On parle même pas d'échelle, hein, parce que là... Ah oui, là, c'est sûr, hein. Ouais, alors que tu peux faire 15 minutes, je veux dire. De toute façon, en général, si tu regardes les mecs circuits, tous ceux que j'ai croisés, ils roulent 15 minutes, après ils roulent pas pendant une heure. Ils règlent, hein. Ils règlent, ou ils laissent refroidir... Après, bon, ça dépend, ils font des groupes, c'est sûr, je comprends. Si t'en as 3 ou 4 qui sont vraiment super bons, tu vois, ils roulent entre eux vite, 15 minutes, c'est normal. De l'autre côté, s'il y a des traînards sur le circuit, ça les améliore aussi. Ah ouais, s'ils font le même chrono avec les gens qui traînent au milieu, c'est qu'ils sont vraiment bons. Bon, après, c'est sûr, ils veulent pas qu'on ait des gommes, quoi. Mais comme dit, tu peux faire des sessions de 15-15, tu vois. À l'époque. Ah oui.
Regarde comme ça se passe bien au SAM 68. On roule toute échelle confondue, tout terrain et piste sur le circuit. Ah, ça y est, déjà coupure. Bah ça consomme, hein, la vache. Ouais. Alors, on a fait combien de temps là? Ouh, 10 minutes. 10 minutes avant la coupure. Enfin, Dios, que ça crame un peu du. Bon, après là, le terrain, c'est sûr, il demande. Hein. On est en 3 et 5000, on a quand même 6 kilos. On a la coupure, mais j'ai mis la coupure haute. Parce que, contrairement au Vario B-Wing, je ne sais pas encore exactement quand ça coupe. Donc j'ai préféré... Les batteries sont tièdes. On va voir le moteur, après c'est peut-être le moteur qui chauffe aussi. Hein. Ouais, c'est le moteur qui chauffe. Alors, on va voir si c'est la coupure thermique ou si c'est les jus. On va voir si j'ai encore assez de patates. On a encore assez de patates. On va remettre la cam sur la tête. J'ai envie de refaire un tour. On va allumer un peu moins. Ça finit pas sur la route, hein? Allez, on va rester mi-gaz. Pas d'un coup! Déjà, j'ai dû habituer ton frangin ce matin. Il y a du thermique? Ouais, c'est bon, moi je suis en coupure batterie, définitivement. Bon, allez, on va passer sur la suivante. J'ai un moyen un peu XB à tester, un super bajaret.